oubliez l'eau avec du citron, voici la nouvelle découverte pour la perte de poids et la détoxification. Éliminer les graisses accumulées dans le ventre et les hanches est souvent plus difficile qu'on ne peut imaginer. Beaucoup de personnes en souffrent de nos jours, et cherchent constamment la meilleure façon de s'en débarrasser et perdre du poids. Quand nous comprenons comment détoxifier notre métabolisme, il est alors plus facile d'éliminer ce type de graisse. La boisson puissante pour accélérer le métabolisme, que nous allons vous présenter, vous aidera à perdre du poids et à détoxifier tout votre organisme. Grâce à des aliments naturels qui contiennent des enzymes digestives, cette boisson peut accélérer votre métabolisme, faire brûler les graisses et détoxifier votre organisme. Elle contient de la cannelle, du pamplemousse, du gingembre et de l'eau. Bienfait des ingrédients: le pamplemousse contient une enzyme qui brûle les graisses, abaisse également les niveaux d'insuline et contrôle le taux de sucre dans le sang. La pectine est également une excellente forme de fibres solubles, ce qui est bon pour les problèmes intestinaux. Boire du jus de pamplemousse, ou manger du pamplemousse frais, est un bon moyen de donner un coup de fouet au métabolisme le matin. La cannelle a la capacité unique d'imiter l'activité de l'insuline dans le corps. On dit que la consommation de cannelle a un impact certain sur la graisse abdominale plus que la graisse des autres parties du corps. La cannelle peut aussi ralentir le processus de transport de la nourriture dans votre estomac. Cela vous aidera à vous sentir rassasié pendant une longue période de temps, puisque l'appétit est souvent un problème pour beaucoup de gens, ce qui en fait une bonne nouvelle pour toute personne qui lutte pour perdre de la graisse corporelle. Cette épice a également un effet de thermogenèse qui augmente la température du corps. Celui-ci puise dans les stocks de graisse et les brûle afin de retrouver une température normale. Le gingembre aide à améliorer la digestion en augmentant les sécrétions des sucs digestifs dans l'estomac. Il booste également le métabolisme, augmente le système immunitaire, renforce les organes internes du tube digestif, et contribue à brûler les graisses plus facilement. Dans une étude publiée dans le journal of Science en Food of Agriculture en 2014, les chercheurs ont constaté que les rats en surpoids qui ont reçu du gingérol, un composé qui se trouve dans le gingembre, étaient en mesure de perdre du poids après une période de supplémentation de 30 jours. Les rats ont également montré des améliorations des niveaux de sucre dans le sang. Maintenant, voici comment préparer cette boisson puissante qui réunit ces aliments efficaces. Ingrédients: 1-2 tasses d'eau chaude, 1-2 cuillères à café de cannelle, 1 cuillerée de jus de gingembre, 2 pamplemousse pressé. Préparation: mixez bien tous les ingrédients. Consommez cette boisson pendant 12 jours, juste avant d'aller au lit. Ensuite, faites une pause de 3 jours, et reprenez la cure pendant 12 jours de plus. Grâce à ce traitement naturel puissant, vous donnez à votre corps une bouffée d'énergie, vous accélérez votre métabolisme, perdez du poids et obtenez une silhouette parfaite. Conseil: il est préférable de prendre des ingrédients bio, mais si vous n'arrivez pas à en trouver, vous pouvez juste les laver dans un récipient d'eau avec du vinaigre, afin d'éliminer tous les pesticides qui peuvent s'y coller. D'ailleurs, c'est une méthode à adopter pour tous les aliments qui ne sont pas bio. En parallèle de la prise de cette boisson détox, il ne faut pas oublier qu'il est essentiel d'adopter un régime alimentaire sain, équilibré, et peu calorique. Pratiquer une activité physique régulière est tout aussi important, ainsi que boire beaucoup d'eau. Mise en garde: il est déconseillé de prendre du gingembre pour les femmes enceintes, les diabétiques,
et les personnes chétives ou souffrant de maladies du sang. En cas de prise d'un traitement médicamenteux, il est déconseillé de prendre du pamplemousse, car ce dernier bloque une enzyme qui favorise l'absorption des médicaments. La cannelle est déconseillée pour les femmes enceintes, les enfants en bas âge, ou les personnes allergiques à cette plante.